Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire en chaos modé, en empire mortel. Ça y est, je crois qu'on a, on a enfin l'arsenal nécessaire pour se dire je crois qu'on va tout raser. Littéralement. On a l'armée de Sigval qui s'est refaite, hein, je rappelle, elle est tombée à un moment. C'est dommage. On a Arcan qui a recruté pour l'instant des guerriers, c'est mignon encore, mais ça ne serait tardé avec les exaltés. On a Collect qui suit Korn. On a... ça c'est un héros qui est fait pour... voilà. Et on a Nurgle ici qui est déjà prêt. Et Tsench qui est quasiment fini en termes de préparation parce qu'il a le bâtiment pour son armée à lui. Il nous faudrait celui-là et on se sentirait bien pour se dire on peut recruter une armée encore et continuer à foutre le bordel. Et merci beaucoup du coup, capitaine. Merci à toi pour ton follow et bienvenue. Salut la pop. J'ai fait le tuto hier, plus une mission. C'est bien fun, Vermintide. Ah bah j'espère que ça te plaît, Saskia. Ce sera l'occasion peut-être d'en faire du coup. Si des fois t'es disponible dans la journée, alors peut-être plus le samedi, je comprends que les jours de la semaine, mais... 3 semaines que je te suis, j'avais pas encore follow, honte à moi. Bah merci beaucoup capitaine. Et bah tu t'es rattrapé, c'est bon. Y a pas de souci. Déjà du moment que les gens viennent me voir, ça me fait plaisir quoi qu'il arrive. Allez, on y va. Let's go. On a Korn ici qui a fait ce qu'il fallait. Il n'est plus capable de toute façon de faire autre chose. Donc il a rasé cette petite ville qui était... je sais pas si dans l'épisode ça s'est vu précédent. Je ne sais plus. Alors par contre voilà, là on va casser la gueule à Karls avec nos deux armées, on va essayer de les pex bien sûr. C'est marrant. Ah mais il est... ah je croyais qu'il était dans la ville, je sais pas pourquoi. Je croyais qu'il était dans la ville. On va le faire suivre avec Arcaon. Comme ça, on va babysit un peu Arcaon pour qu'il puisse XP. Voilà, il va reculer sûrement, non? Oui, c'est sûr, c'est normal. Normal, le pauvre. Il voit toutes ses armées, il se dit mais non. Moi, je voulais taper le chaos, mais pas autant. Sauf que si, tu vas le faire. On va laisser Tsenge là-haut, il est déjà très bien là-bas. D'accord. Bah si on est censé se faire exploser alors... Ah ouais, tu respectes absolument pas mon armée en fait. Ok. Comme tu veux. Héros Templier, j'ai vu ton salut tout à l'heure, mais j'arrivais pas à te taguer. Juste de finir ma campagne Chaos Mode, un plaisir toutes les unités. Bah, ça fait plaisir alors. Bah, GG du coup d'avoir terminé avant moi. Moi, je suis pas assez agressif, je pense. J'ai un problème là-dessus, moi. Je suis trop safe. Salut Snarit. Alors. Bon, déjà il nous fuit. C'est normal. Chosen. What do the gods desire? On va faire avancer nos petits guerriers du chaos tout nus. Certains y penseront à des trucs comme ça. Merde, non. Ah, c'est bon. J'ai pas cassé la formation. Bon, petit chaos comme ça. Hop, avec Sigval devant. Et... la démon. Bon, la démon, le problème, c'est que quand on l'enclenche, généralement, elle... ouais. Elle déconne pas beaucoup, hein. Elle est très rapide, elle fait peur, hein. C'est limite un film d'horreur elle quand elle fonce.
Quand tu vois la vitesse à laquelle elle va, 130, t'es là en mode, vas-y, calme-toi. Elle est réellement possédée, elle. Allez. On va dire aux démonettes de marcher un peu, parce que le problème c'est qu'elles vont un peu vite, elles. Vous voyez, elle est déjà partie, hein. Oh, on l'arrête plus. Elle est possédée. La théorie là-dessus, c'est qu'elle est possédée. C'est limite, on peut aller dans toutes les unités comme ça, hop là. Et ça occupe. Bon, elle prend des dégâts quand même, hein. Attendez, on est anti-large. Salut. Ah bah oui, là tu vas vite mourir, on est anti-large. Désolé. Ouais, on prend cher par contre, hein, ça c'est sûr. Ok, donc ce qu'il me faut là, c'est choper à peu près tout le monde. Les démonettes aussi, elles sont ultra rapides comme infanterie, ça c'est très stylé. Voilà. Bon les gars, faut pas hésiter à forcer le passage, on s'en fout de ces unités là, des bretteurs là. On en a rien à faire, eux. C'est validé. Destroy them! War will be despoiled. Arcanou, je sais pas où t'es, hein, mais si jamais, t'as le droit de venir. Hein. T'es pas exclu. Hein. J'ai pas de nouvelles de lui tout à l'heure. My God's call! At last! Carnage! Slay every mortal! Immortal caress! Tremble, mortals! Khorne's bloody glory! Oh bah alors là... Fallait pas montrer ce petit tas dès le départ, hein. Ok, normalement tout le monde s'en sort bien. Arcaon ? Arcaon ? Ah, t'es là-bas ! Salut Arcaon ! Donc, va bien ? On avait plus de nouvelles, on se demandait où t'étais parti. Par contre, niveau moral, c'est sûr qu'ils sont résistants. Oh, ma petite démon. Provoque peur et terreur.
That's what the masters bid. Kill them all! Begin the reaping! Kill the Southerners! Ah bah ça, forcément, quand Karl Zeppula... All will be despoiled! Very well, fool! C'est bien, Arcanon, t'arrives après la fête. Après, je peux pas lui en vouloir, hein. Les déplacements de ça, c'est un déplacement de tank, hein. Bon, après, si tu marches aussi, couillon... Mais ils ont été refaits. Ils ont pas cette couleur-là, normalement, les Chaos de base. Les guerriers du Chaos. Regardez leur armure. Ou alors, j'ai un bug. Ah bah elle fait super mal la démon. Après elle est pas elle fait très mal mais elle est pas comment dire, elle est pas overpété quoi. Et faut quand même y prêter attention. Mais ce qui est bien, enfin son gros point fort c'est son déplacement et sa facilité à se déplacer dans la mêlée. Vu qu'elle elle je sais pas si c'est le fait qu'elle l'évite comme ça en permanence. Mais ça c'est un gros point fort chez elle. Elle continue d'aller là où elle veut sur la map. Peut-être ça qu'on pourrait dire dans ce cas-là, si on devait dire qu'est-ce qu'il a rampé, c'est ça. C'est son déplacement sur la map comme ça. Salut Céleste. Julian's eye guides me. Impossible. Who are these grotesqueries? Onward to destruction. Merci Arcaon d'avoir été là, hein, bien sûr. There'll be a reckoning. Ouais. Bille touchette dans la forêt surtout hein. Et là bah du coup avec Nurgle on va écraser ça tout de suite. Et je crois qu'en termes de force bah on va me dire que maintenant l'Empire voilà il est ridicule hein. Donc une fois que je vais détruire ça bah, ça va être Oui c'est de nouveau à Vergast. Salut sale gosse. Unleash chaos. Invade. Channeling. Kill them all. Ça, on a une armée de 20. On peut s'attaquer à ça très facilement. Alors là, on est certes plus lent, mais on est défensif, et en plus de ça, on est full goldé, et en plus de ça... J'aimerais bien avoir deux trucs de vitesse comme ça. Pour eux, ça leur ferait du bien, je pense. Ah, le démon de Nurgle, par contre, ouais. Il est pas fort en cac. En fait, il est fort par ses spells de pourriture, quoi. Sa force à lui... C'est de se... Il a du mal à se déplacer, il est lent, mais alors par contre, quand il est en contact avec une masse d'unités, c'est là où tu prends son vraiment gros potentiel de démon, quoi. Sorcerer Lord. J'ai pas vu si... Non, ils ont pas d'un... Nurgle's pestilent glory. Chosen. Je crois pas, hein. All will be despoiled. Je crois pas qu'ils aient... Disait comment qu'ils aient de canons aussi, j'en ai pas vu, je crois.
Tant que j'en recrute un autre. De toute façon, je peux le péter avec ça. Donc, au pire. I bring a tempest. Exalted hero. Notre héros qui est très puissant d'ailleurs, lui aussi maintenant. Anti-large. 175 d'armure, je n'avais pas vu. 124 de commandement. Mais en même temps, ils sont, les Nurgles sont spécialisés dans l'armure. 175 d'armure. Rien que ça. Même un nain, il est jaloux de ça. Je sais pas si on peut monter plus haut avec un nain, je sais pas. Peut-être 180, je crois, mon maximum avec un nain, je sais plus. C'est voilà. C'est en fait dans le mode. Et salut à toi, Barakat. C'est que le mode te permet de recruter, et même ça va pour l'IA aussi, de recruter des canons en plus grande quantité. Sorcerer Lord. De toute façon, avec seulement 2 unités, là actuellement j'ai 24 canons. Alors ils sont pas très forts comme canons. C'est pas, ils sont pas ouf hein, en vrai. C'est, ça, ça marche bien pour l'Empire par contre. Je veux te le dire, les tonnerres et les feux d'enfer. Non, je crois pas qu'ils aient de canon. Ouais. Donc, du coup, ils se déplacent, c'est cool. C'est cool ça. Hop, ils sont... Bon, là, sur ça, ils vont peut-être être efficaces, mais. Chaos Sorcerer. Move it. Je croyais que j'étais immobile, immobile. C'est très bizarre. Alors il y a beaucoup de joueurs d'épée, donc on va essayer de les abîmer un peu. Bon, c'est sûr, s'ils se ramènent avec des petites unités comme ça, ça, ça croque sous la dent ça. Acheter le DLC de la côte vampire. Bah avec plaisir, Chess. Franchement, la côte vampire, tu vas prendre plaisir. À découvrir la côte vampire, c'est juste trop fun. Des zombies, des caronades, des bateaux en déplacement complètement ouf. Peut-être fumer un peu, le fait que ça soit une horde incassable en plus. Alors ils sont très résistants. Ne t'inquiète pas pour eux. Et le démon. Alors
Sorcerer Lord! See who wields true power! Our time has come! Voilà, et là le sorcier, le bureau. Allez, on commence à drainer de la magie. On va essayer de le heal. Attention, mon démon, il est où? Il est là. Ah oui, il y a vraiment le duel. Dolph contre ma grosse bête. Ultimate sorcery. Moving fast. I go. Chaos sorcerer. Blood for all. Going. Ok. Si c'est bon. Peut-être pas prévu que ce soit là. Sorcerer Lord! Clean magic! Spanish is with Asgore! Chaos Knights! Move fast! Eat that soul! Voilà, à mon avis, ça va être plus. C'est normal. Sorcerer Lord, arcane torment awaits. Move. Chaos Knights. Okay. Donc au final, ah, ils ont fait quand même un petit 258 et un 165. C'est propre. Très propre. Alors, ouais, la cavalerie a fait le taf. Hein. Elle est intervenue en milieu de game et ce qu'elle a sorti à la fin en dégâts, magique. Puis rasé. Hein. Elle a maintenant des bâtiments à acheter. Je crois qu'on va me dire que l'ennemi n'a plus de force. Elle réclantille encore. Ok. Visiblement, ils arrivent à en avoir encore. On a acheté le bâtiment de Tsenge. Normalement, oui. On a déplacé tout le monde. Faut juste donner des niveaux maintenant. Donc, assassiner, comme d'habitude. On va essayer d'assassiner. Alors là, on essaye. Hein. Je dis bien, on essaye. De stopper les machines à... Les machines à tuer de l'Empire, mais bon. Avec des taux assez bas généralement. Stop this. Voilà. Avec des taux assez bas, hélas. Ici, on va améliorer ça avec l'armée de cornes. Ouais, lui, il est bien évolué, mais il me sert de vision surtout. Et par contre, toi, t'es un sorcier Tsenge. Ah, est-ce que tu vas aller avec l'armée, je ne sais pas.
moving. Never stop. Parce que Korn, du coup, a une armée à double démon majeur. Là, j'ai 21. Et le prêtre, j'ai 1. D'accord. On va tenter le 20. Non, pas lui. On va tenter lui, hein. C'est jamais. Si ça arrive à passer, tant mieux. Le but, c'est de les virer. Hein. On essaye, mais un peu gâcher de l'argent, mais... Alors. Alors ça, ça serait bien qu'on combine les deux, pour le coup. Parce que du coup, ça le healerait directement. Donc ça pourrait, je pourrais cumuler ça avec le heal de l'autre. Donc en fait, en healant l'autre, je me heal moi. Donc je caste. Et en même temps, l'autre, s'il lui lance finalement le fléchi Abundance, là... Bah ça le heal. Donc ça combat très bien. Même très très bien. Il n'y a rien d'autre d'ailleurs à améliorer là-dedans. La Slanesh, Nurgle Warrior, bah oui. Hein. Bah oui, ici, la Nurgle Warrior. Elle les rendrait encore plus forts. Est-ce que ça boosterait aussi eux? Non, Play Gripper, je crois pas. Play Gripper. Si. Bon, bah ouais, on va aller là-dedans pour l'instant. On continue de booster l'armée. Hein. Là, si on peut les rendre encore plus défensives, c'est parfait. Ce qui compte chez eux, c'est que les sorts frappent. Hein. Et là, du coup, bah, on est dans l'attente pour lui. Salut Mose. Bah écoute, la forme, ouais. En plus, il fait frais. Pour l'instant, et salut Ragnono. Ça arrive, Baraka, ouais, ça arrive souvent. Ah, au final, en fait, ce qui est cool avec l'écho de vampire, c'est quoi? Ça peut te permettre le gameplay soit finalement de conquérant, ou le gameplay un peu de raid, mais version en mer du coup. Sauf que quand tu commences à jouer, bah, par exemple, quand j'ai testé en légendaire, j'ai tenu un temps à essayer d'aller gratter des territoires pour rendre mon allié puissant. Le problème, c'est qu'Ikit ne sait pas faire. Il s'est emmerdé, mais il ne sait pas devenir puissant. Donc du coup, bah, ça n'a pas vraiment marché pour moi. Donc j'étais obligé de passer en mode conquérant. Si à la limite, en fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être voir avec les orques maintenant ce que ça peut donner. Ça paraît loin, mais en même temps, par exemple, on a les principautés frontalières qui sont pas loin. Aller attaquer les principautés frontalières pour faire en sorte que l'orque peut-être soit bien. Ça serait beau de voir un orque arriver à conquérir le vieux monde quand même. Hein. Moi, je trouverais ça dingue. Hein. T'es parti pour débloquer quoi? Ouais. On verra bien. Allez, bah du coup, tout de suite, on peut relancer assez facilement une bataille ici avec notre armée. Plus l'armée d'Archaon. Ce qu'il faudrait, c'est que je me spot un peu la zone. J'ai pas un héros qui traîne, là? Faut bien avoir un héros qui traîne, là. Est-ce que tu sais me donner la vision là-dessus? Not likely. Terme de puissance, ça me dit quoi? J'ai raté. Ouais, je suis toujours plus puissant que lui, donc ça me va. Absolutely not. Ok, on a une armée ici. Pas une armée dégueulasse. Hein. A beautiful decision. Oh, j'ai tellement envie de lui faire l'armée maintenant, mais est-ce que je peux me permettre 176 000, ça me paraît bon quand même. Hein. Ça me paraît bon. I am Slanesh's scion. No. For chaos. Can't see me.
J'ai besoin d'avoir des renseignements sur son armée, s'il vous plaît. Voilà. C'est de la merde. Attaque. Destroy. Déjà, on va dégager le monsieur ici. On va dire gentiment de partir. Oh, t'es sur un très bon jeu là, Mose. Divinity. Combien de temps j'ai passé pour terminer le jeu en coop du coup avec Falling. On a... Ah ouais, c'est... Franchement, c'est un jeu, c'est une merveille. Hein. C'est... Divinity. Je sais pas si je peux autant lui lancer des fleurs, mais en tout cas, ouais, c'est une des 7 merveilles du jeu vidéo, Divinity, je trouve. Le jeu, il était tellement fou. Invade. Pourquoi du coup, Ragnuno, c'est ta fin qui t'a déçu ou toutes les fins t'ont déçu? Parce qu'il y en a plusieurs. Et quelqu'un qui a... Ah oui, elle doit avoir un attribut assiégeur, ouais, tu m'étonnes. Elle te pète une porte en 2 secondes. Ouais, bah let's go. Hein. Ça va juste peut-être nous faire des pertes, mais au pire, ça nous affecte pas plus que ça. Hein. Toutes, ah ouais. Je vais te dire que moi, parce que le problème de ce genre de jeu, moi je déteste faire toutes les fins. Littéralement, quand j'ai un jeu avec plusieurs trames possibles, je n'aime pas les faire toutes et faire finalement la mienne et essayer de dire c'est quoi ta fin à toi, tu vois, par exemple. Dire ah, c'est quoi ta fin à toi, ok, moi c'est celle-ci. T'as aimé la tienne? Ouais, moi pas du tout, j'ai pas aimé comment ça se termine. Mais c'est que le jeu, je l'ai kiffé justement pour dire que j'ai pas aimé la fin, dans le sens où ça s'est peut-être pas bien terminé, on va dire. Voilà. C'est un jeu, quand tu l'as pas fait, faut le faire. Ça, c'est indéniable. Bon, bah on va refaire la même chose. Chosen. On va attaquer tous les murs. Ensuite, j'aiderai avec les démonettes sur des zones. Et voilà. Cavalerie. Elle court trop vite. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes en train de rattraper, hein. Voilà. On peut l'envoyer généralement assez longtemps pour voir le truc venir. On va la laisser faire des morts tranquillement. Mais t'as pas encore... Ah non, 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 par contre, si t'as pas pété la porte, tu me pètes la porte, je m'en fous. Hein. Tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors. Ah oui, mais non, elle va bugger. Hein.
Parce que la porte elle est ouverte mais pas ouverte en même temps, donc la magie. Je sais pas comment, mais aidez-nous les gars s'il vous plaît, faites la porte. Allez, je vais essayer de la refléter cette fois. Allez, pousse tout le monde. Voilà. Et ils m'ont réouvert la porte. Super. J'ai que ça à faire. Faire des allers-retours parce qu'ils sont pas capables de. Elle est mi-life quand même à force. Ça va devenir un problème ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à eux de descendre, voilà. Donc ils vont continuer à péter la gueule ici. Bien argenté hein. Ah ils ont ouais une couleur métal quoi. Et les McFriends, ça dure qui, comment ça va? At last, carnage. Destroy them. Allez les gars, descendez, n'ayez pas peur. Profitons du spectacle. Si elle fait du TK par contre. Oula, cette vue. Allez-y les petits coups. I am divine. Vous êtes tous beaux, vous êtes magnifiques, comme Sylvan. Allez-y. Tremble, mortals. Kill them all. C'est le griffon, ça. Les tinons. J'évite de trop crier parce que c'est encore matin. For the Chaos God. Kill them all. Allez, bah là je pense qu'on peut accélérer de toute façon. Non mais mon armée elle est vraiment efficace quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, elles font toujours le taf. Ça, c'est une de mes unités préférées, ça.
chez Slaanesh. Elles sont trop fortes. Elles sont rapides. Elles font super mal. En fait, c'est comme les sœurs Massacre. Elles sont 40, plus résistantes. Je crois que les sœurs Massacre sont plus nombreuses quand même. À 315. 315 celle-ci. Ah, tu lui demandes de taper, elle tape. Hein. Oui, il reste quoi qui n'a pas encore abandonné là? Je comprends pas. On va les aider là parce que sinon on va jamais y arriver. Hein. Par contre, si je demande à l'avion de. Ouais, voilà. Hein. Il y avait la démon ici. Je dis, c'est un film d'horreur, regardez. Bon, après, ça colle pas trop, mais. Elle était chaleur. Quand elle était là-bas. Ah, bah alors, mon gars, quand t'es poursuivi. Elle est marrante. Non, toute l'armée fait un taf monstrueux. Mais bon, les démonettes. Ouais. Hein. On m'en avait dit du bien, mais. Je confirme. Agile, rapide et très efficace. Niveau massacre, très très bon. The Dark Prince wishes. A storm of chaos gathers. Allez. Yes. Arcan ici du coup Sigval, il a reculé, on va pouvoir. C'est combien ce bâtiment? C'est 8. Ouais, on a le temps, on n'est pas pressé. On a repoussé son armée et on va continuer de toute façon de tout raser. Hein. Là, je peux juste attaquer ça tranquillement. Normalement, je me ferai jamais surprendre. Normalement. Oh, 13 000. On va peut-être pouvoir quand même envisager l'armée de Tsenge maintenant. Hein, même s'il n'y a pas le coût en réduction. Si je suis à moins 10 000 alors que j'arrive à raser des villes chaque tour assez facilement. Ça va. Ah ouais, Nurgle par contre. Ouais. Ils sont chou- I will not obey. Ok. Il est capable d'aller jusque là. Je vais regarder avec le sorcier s'il y a quelqu'un dans la ville ici. Voir dans la ville un peu plus haut. Sinon, je vais voir avec lui. Avec Collec, parce que pour l'instant, Collec. Il est mort trop de fois, Collec, en vrai, mais bon. Il y a une armée. Alors, normalement, les autres sont pas capables de le rejoindre, donc. Si je me mets là, il devrait pas m'emmerder. L'armée de cornes, maintenant, tu la fais pas trop chier. Généralement, tu la laisses passer. Tu les dis, allez-y, monseigneur, allez-y, je ferme les yeux. Allez, bisous. 71%, je saisis direct. Let us corrupt. On va m'amuser à bloquer cette armée-là. Hein. Au plus j'arrive à monter le truc. Ok. C'était peut-être pas ce que je voulais faire en fait. C'est pas son dernier niveau à elle. Si. Et j'ai mis ça là-dedans. Oh. Enfin après bon. On va pas changer grand-chose mais j'aurais préféré mettre dans attaque. Comme ça au moins. Taux de recherche, allez, pourquoi pas.
J'ai eu un blessé, hein, ouais. Succès. L'enfoiré, il a fait un succès total. Il faudrait... tiens, on va en prendre un, pourquoi pas. Pour regarder un peu... The gods of chaos. Yes, I beg. Let me do this. Peut-être te mettre un peu dans la spécialisation, vite fait. Assassiner, mais le but, c'est que tu survives, hein, surtout. Et du coup, on va recruter encore un là. Ah, elle est prête la bête? Ouais, elle est prête. Donc je pourrais la recruter en bas. Ah, je peux pas recruter de héros ici. Donc je peux de nouveau recruter un ici. Est-ce qu'il y en a pas un qui est archi chaud pour... Chance de succès de l'action de héros de 5%. Je prends. Je prends, je prends. Voilà. Ok. LCS, je pense que quand on joue à Warhammer et qu'on est pas... Même n'importe quelle faction, en vrai, on est sadique. Tu joues les nains, tu kiffes les dragues de fer. Joue les orques, tu kiffes l'invasion, gueuler wag et te détruire. Tu kiffes le chaos, bah tu rases tout de base. Y a pas une seule faction. Je pense qu'aimer Warhammer, c'est sadique. Ah bon, Flo? Ah ouais, carrément 10 heures. Bah écoute, Griffus, hier on a joué, on a bien kiffé. Le contrôle clavier est un peu compliqué à prendre en main au départ, mais non, non. Franchement, le super jeu. Par contre, alors c'est rigolo, mais c'est un jeu qui est tout mignon. On pense tous un peu, pour ceux qui ont pu le voir à la télé, le fameux château, enfin l'émission japonaise. Je sais pas si c'était Takeshi, je sais pas, mais en gros, la fameuse émission, tout le monde pense à ça. Mais c'est marrant parce que ce jeu, il est à la fois mignon, mais j'ai l'impression qu'il y a un envers du décor dedans. Parce que quand tu regardes des streams dessus, des fois c'est le sel total. Mais tout le monde se sourit en mode avec des petits trucs tout mignons, tu sais. C'est, je sais pas, il y a un côté, c'est bizarre, c'est malsain. Les petites dames, salut Dars. Pas spécialement, Chess. En fait, tant que j'ai du contenu à faire, non. Mais c'est pour ça aussi que je vais m'aérer l'esprit sur des jeux, des fois, comme Vermintide, comme Mechanicus, récemment Deep Rock, Blightbound. Salut, Dr. Cloak. Alors, bon, on va continuer à avancer, hein, simplement. Là, il y a une armée qui essaye de revenir, mais bon, ça va être compliqué pour elle. Hein. Là, on sait que c'est safe. Ici, on sait que c'est safe. Normalement, son armée, bah, elle est bloquée, en fait. Donc, il l'a dans le cul. Bring my mirror shield. Il me faut 3 pour ça, mais à un moment, du coup, je vais refaire des canons avec lui, je pense. Ou alors, je laisse comme ça, je sais pas. Ah, mais c'est des... Non, ils sont faits pour lui, ces canons. Je pense qu'ils sont faits pour lui. On va détruire ça de nouveau. Y'a pas un problème d'affichage là? Ah, j'ai eu 0 mort. Hein? J'ai pas compris. On m'a pas compté moi dans les morts.
Le truc, zéro mort, littéralement. Et c'est un bug, ça, non? Eh oui. Pendant ce temps, la corne va attendre tranquillement en montagne, raser tout ce qu'il faut. Ouais, je suis même pas obligé de ramener Collect. Collect, il a déjà pas mal de niveaux à la base. Tout ce qu'il a besoin, c'est voilà. Se mettre comme ça et d'attendre qu'il ait assez pour ces petits bâtiments. Oula, alors attendez. J'ai beaucoup de chevaliers et de bébêtes quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est pas compté là-dedans. Ça, ça me permet... C'est quoi, moi, déjà, mes unités? C'est les Bloodletter. Ils doivent être là-dedans, non? Ouais. Forcément, on leur donne cette résistance physique. Donc, les mecs, ils ont 86 d'attaque en mêlée. Enfin, l'attaque en mêlée, généralement, avec eux, est très haute. Et après, c'est là où ça pêche un peu, c'est la défense. On va essayer de choper des héros. Hein. Voilà, là par exemple. 22%, ouais. 22%, ouais. 22%, bah on va attendre. Toi, tu vas te faire les dents sur son armée à Volkmar. Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'ai vu Volkmar, je me suis dit. Non, mais à mon avis, t'as un taux d'échec assez. Assez conséquent, non? Oui. Et bah voilà, on récupère petit à petit l'armée qu'on voulait. Il va falloir modifier un peu quand même ce... J'hésite à au final ne pas mettre d'artillerie dans cette armée. Hein. Mais c'est vrai que ces canons-là, ils leur sont quand même dédiés en soi. Hein. Les canons ici, là, ceux-là, là, c'est des canons dédiés à Slaanesh. Hein. Avec ce petit buff hyper intéressant, Glorious Excess, là. Donc, ouais. Ça les rend indémoralisables, ça les debuff, ça enlève... Ouais, non, mais... Alors, je pense que je vais les mettre. Je vais les rentrer à l'intérieur, je vais sûrement enlever peut-être une des monnettes et une cavalerie. Comme ça, je garde un pool de cavalerie assez haut. Ce qui me manquerait, c'est peut-être un champion, et dans ce cas-là, j'enlèverais peut-être un lancier pour mettre un champion. Une championne, du coup, de Slaanesh, plutôt, même. Alors, c'est le moment de voir si ça bug. Vous voyez, il faut que je fasse ça, normalement, la relique du chaos. J'ai le droit à quoi en attendant? J'ai le droit à ça. C'est de l'anti-large. Est-ce que j'ai le droit à quelques... Oui. On va en faire quelques-uns quand même. Voilà. Et on a tout joué, je crois. Lui, il attend. Il peut s'avancer un petit peu quand même. On est à moins 8000 pour l'instant. En combien de temps? D'ici... Je pense d'ici 2 tours, on commencera à fabriquer son armée. Comme ça, on sait que ça,
c'est 8, j'ai 3, 2 tours, il y aura 5, le temps que l'armée se forme. On va dire que ça prendra 3 tours, ça sera pile le moment où on va prendre le bâtiment. Voilà. Bah c'est un sorcier puissant, donc peut-être que je vais le changer, ouais, je pourrais me le perdre. Comment ça se fait que j'ai vu ça, moi? Il est où? Je vois ça. C'est parce que c'est un sorcier très puissant. Donc du coup, c'est vrai qu'on l'aime bien, même dans l'armée de Slaanesh. Hein. Putain. Attaque de l'unité, succès. Attaquer les unités, échec. Attaquer les unités, succès. Entraver la reconstitution, échec. Échec total, chier, chier. De la part des démons. Un gros chier. Oh, Volkmar, tu veux te donner? Ça, je peux l'attaquer. Il lui reste quoi comme défense en vrai? Non. Il est en train de se refaire en armée, donc attention. Attention, attention. Ouais, la principauté traîne un peu dans le coin, mais on sait pas trop ce qu'elle fait. Tiens, allez. Ça, on va le raser avant. Comme ça, ça sera fait. My adoring hordes agree. Ah non, c'est pas fini, mais là, je pense que ça va aller en accélérant. Despoil. Destroy. Ça, c'est clair que c'est pas fini. Ah, mais tu peux pas bouger. Bah non. Invade. En termes de cavalerie, je crois quand même que les plus beaux, ça reste ceux de Arcaon. En vrai. Fool. I will acquiesce. Ok. Avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Déjà, avec elle. On leur dit casse-toi. Allez. Un dégagé. Choose me, master. Oh, petit 21 qui passe. C'est beau ça. Plus pour l'instant on ne dépense rien. Allez. On va venir te chercher. Salut. Mais non, mais reste avec nous. Mais tu vas où dans le coin? Oh, c'est mignon. Ah mais t'es bloqué là. Erreur fatale mon ami, erreur fatale. Allez, la petite dernière bataille de cet épisode, parce que j'ai une forte envie. Allez voir mon trône si tout va bien. Novermintide est dans la mission hebdo. Si je lâche la statue trop longtemps, elle me pète à la gueule. La statue ? Parle de quoi? Là comme ça me dit rien. Les petits démons. Enfin, les petits démons hein. Chaos Knight. All will be despoiled. C'est limite ça que je dois plus gérer que réellement ça, parce que les démons, bah voilà quoi, hein,
4, 5 si je veux, mais au final... c'est juste des énervés. Par contre, lui, c'est vrai. Lui, non, lui, je dois quand même le gérer vraiment mieux. Comme vous disiez tout à l'heure, l'armée de la subtilité. Vous allez voir, grosse gestion, hein, grosse gestion de contre l'ennemi. Ouh. Qu'est-ce qu'il est gros le dragon. Ça veut duel, nous on accepte. Là faut juste cliquer. Là faut cliquer. Là. Sur la subtilité, c'est cliquer. Très important. Oh là, ils se sont fait bouffer. Hein. Ils avaient un commandement assez haut quand même. Hein. Salut Alligator, ça va bien et toi? J'avais mon coop, il était fou, ça fait deux fois que je te la laisse et on crève, c'est la dernière. Mais c'est quoi cette idée de statue? Ça me dit rien du tout. C'est un truc de fou. Ça me dit rien. Oh putain, 111, il a fait des morts très rapidement lui. Hein. Ouais bah les démons aussi. Hein. Donc très subtil comme armée, bien sûr. Délicatement, à chaque fois, nous attaquons nos ennemis et... avec, bien sûr, beaucoup de respect et en douceur. Parce que l'on se respecte. Ça me permettrait d'améliorer ma charge. Donc j'ai envie de dire oui. Le problème, c'est qu'il est niveau 24. Il faut que j'aille chercher 1, 2, 3, 4, donc 28. Faut que j'aille chercher des trucs là-dedans, faut que j'aille chercher... Ouais, ça, je suis pas forcément fan. Wow. Voilà, quoi. Hein. C'est pas un truc ouf comme spell. Mais j'avoue que aller chercher la charge bonus et l'attaque mêlée de mes... Ouais. Ça a l'air cool, ça, quand même. Hein. Pour ma cavalerie, ça a l'air très cool. Hein. Là, ça m'intéresse pas... Peut-être tout ça, ok. Warrior. Ouais. Eh bah écoutez. Je pense qu'on va booster ça, ouais. Comme ça, encore plus de charges pour eux. Déjà, ils sont à 89. Ils sont bien énervés. Il nous reste quoi? Ouais, c'est des up par-ci, par-là, ce genre de choses.
Ça, c'est parfait, la vision du futur. Tu m'étonnes, tu l'as mérité en même temps. Ça, pour le coup, on peut pas te loter. Hein. Attention quand même à Colex. Parce que là, il est isolé et il est tout seul. Même si c'est un gros monstre qui fait peur, ça peut mal tourner. Hein. Soit j'attends ça, et ça veut dire que je dois attendre après ça et ça, ou alors j'attends simplement le bastion. On va commencer à se diriger vers lui parce que lui il est bon pour bloquer. S'il n'y a rien qui traîne, donc on va rester par là aussi. Hein. Ok, voilà. Du coup YouTube, on s'arrête là. Ça va faire 1h05. Notre armée de Slaanesh se refait. Notre armée du chaos unifié se refait aussi. Tsenj arrive soon. Vraiment soon. Et du coup, bah, Nurgle n'a plus grand chose à prouver. Hein, si ce n'est qu'il est très puissant. Parce que tout à la dernière fois, là où j'avais salé avec Volkmar, on a quand même combattu deux armées de l'Empire avec. Et on a tenu, c'est ça le pire. On a tenu. Donc YouTube, je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao.